Bonjour les amis, si vous voulez être plus libre et bien changer votre mode de vie, je suppose que vous avez calqué votre mode de vie sur vos parents, vos amis, donc en vous disant qu'il fallait tous les jours aller travailler, donc prendre la voiture, les embouteillages ou le métro, les bus, etc. Faire vos 8 heures de travail, rentrer à la maison, vous occuper du ménage, de vos enfants, si vous en avez déjà. Et comme ça, y recommencer 5 jours par semaine, puis le week-end, essayer de profiter un petit peu. Et ensuite, 15 jours de vacances par an, si vous avez les moyens. Acheter votre maison et vous endetter pour 30 ans peut-être. Mais je peux vous dire qu'il y a d'autres solutions, d'autres manières d'être libre. Vous pouvez très bien décider de changer ça et d'être encore plus heureux que vous l'êtes actuellement. Donc vous pouvez très bien choisir de vivre dans un autre pays. Moi j'ai choisi de venir vivre à Tenerife il y a 25 ans. Je ne regrette pas du tout mon choix. J'ai une liberté que je n'aurais jamais eue en restant vivre en Belgique. Je travaille à la maison, je sors quand je veux, je décide de mon horaire. Je peux décider de ne jamais mettre de réveil, de travailler plus ou moins selon mes envies. Et j'arrive donc à faire ça grâce au business que j'ai sur Internet. Donc vous pouvez voyager si vous avez un business sur Internet. Vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez vivre pour peu qu'il y ait une bonne connexion Internet. Et ça, il y a de plus en plus d'endroits au monde où c'est possible. Vous pouvez vivre 3 mois à un endroit, 3 mois dans un autre. Vous pouvez vous occuper plus de votre famille, vous occuper plus de vos amis. Vraiment profiter plus de la vie. Comment? Eh bien en ayant un business sur Internet. Donc c'est ce que je vous explique à travers mes vidéos. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, de vous aussi peut-être démarrer un business comme ça, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain vous allez pouvoir dire bye bye à votre patron et vivre de votre business sur Internet. Non, par contre c'est quelque chose de tout à fait réaliste si vous vous mettez comme objectif de faire cela d'ici 2-3 ans. Et je peux vous dire que 2-3 ans sur une vie, c'est pas grand chose. Donc songez-y, n'hésitez pas à me poser des questions, allez voir sous cette vidéo, il y a un lien qui peut vous aider à prendre la décision. Donc vous verrez un petit peu mon parcours, ce que j'ai fait, pourquoi j'en suis arrivé là et que je ne le regrette pas bien sûr. Ça vous aidera peut-être vous aussi à vous poser les bonnes questions et à prendre peut-être une décision qui vous rendra plus libre pour le restant de votre vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.